Allez, c'est l'heure du niveau. Ah, ça va par là. J'avoue, c'est où du coup? Soit faut aller derrière, soit faut redescendre et faire le tour. Et oui, Atonner est de juillet, tout comme Minuit. Ouais, bah c'est bientôt l'anniversaire des deux. Minuit est vois, en première. Il est là. Ah, c'est là. Il y a un feu d'artifice pour Atonner d'ailleurs. Pique et pique. Mais non, Atonner il est né avant le feu d'artifice. Oui, mais on fait un feu d'artifice le soir pour lui, tu vois. Son anniversaire. Le lendemain. Bah, ça dépend dans quelle ville tu es, tu vois. Ah, c'est vrai. Allez, c'est l'heure du niveau bonus. C'est pour ça, on dit gacha, mais bien sûr. C'est un niveau bonus. Pique et pique. Le niveau pour Cranky. J'avoue. Ça se trouve, on prend Dixie. Non, 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 mais c'est bon. Tiens, allez, hop. Oh, purée. Tu devrais peut-être passer des trucs au début. De quoi? C'était pas juste un bloc? Ah non, ok, j'ai pas vu. Moi j'étais en mode, ouais, bon, c'est juste un diquet. Ah ouais, non, d'accord, ok. C'est pour ça qu'il faut Cranky. Je suis pas sûre de m'en sortir avec... avec Dixie, tu vois. Ah, ouais, j'allais dire vas-y quitte, mais j'ai pas eu le temps d'appuyer. Pardon, j'étais dans l'ambiance. C'est indiqué. Bah oui, bah oui. Mais je me dis que de toute façon, quand c'est un niveau Cranky, c'est écrit. C'est toujours écrit. Et là, bah, ça sentait le Cranky. Ah purée, mais non, mais automatiquement, mais non. Allez, le pire niveau du jeu, il est là, donc. Mais c'est pas grave, ça a l'air rigolo. Didi peut-être. Non, 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 Cranky. Ah, c'est dommage, il n'y a pas un seul niveau Didi dans le jeu, là. Comment ça se passe? S'il y a des deux niveaux Didi, mais on les a fait avec Dixie. Je demande à voir. Je veux qu'on m'écrive noir sur blanc que c'est un niveau Didi. Je veux. Non, mais je veux bien croire, hein. Ah oui, attendez, voilà. Allez, avancez, mon fidèle. Fidèle petit-fils. Bon, après, je fais des bêtises parce que je suis en train de jouer avec... Je suis trop pressée. Faut faire des trucs, quand même. Et tu vas voir que je vais faire que ça, genre... comment on joue au jeu, normalement? Non, mais non, fais pas ça. Faut que je me familiarise avec mon nouveau gameplay. Mais on n'a jamais joué tranquille aussi, donc automatiquement... À part pour rigoler et perdre 70 vies par niveau à chaque fois, mais... On n'a pas vu Didi Farceur, j'imagine que vous le gardez pour le boss final. Vas-y, je vais jouer Didi Farceur pour le boss final, vous avez raison. Ah bah oui, du coup, il est... Il est bon. Puis ah, en plus, bon. Ça glisse. Est-ce que je me fais écraser? Oui. Est-ce que tu pouvais peut-être te baisser? Tu peux revenir, vite? Ah, je sais pas, tu m'avais dit non tout à l'heure. Du coup, je me suis dit... Vite, reviens. Ah non, c'est bon. Vite, reviens, là. Bah, je suis déjà là. Non, mais tout à l'heure, je t'avais dit non parce que je voulais recommencer. Non. Vite, revenez vite. Revenez vite. Oh, purée. Ça glisse beaucoup trop longtemps. En plus, c'est pas très sympa parce que contrairement à d'autres jeux, tu vois... Tu peux pas... Voilà, tu peux pas. C'est tout ce que j'avais à dire. Tu peux pas t'arrêter en sautant, genre tu fais pas un saut, paf, ça t'arrête. Ah, c'est un cœur. Ce qui est plutôt utile, vous me direz, mais... Par contre, je me dis que c'est peut-être pas bien que j'aille tout de suite là. Ok, je mesure pas mes sauts. Donc je monte et après que je retourne en arrière en fait. Je pense. Oh.
hésité à descendre. T'inquiète, ça va. Ah bah attends, tu fais mal. Ouais. Ah mince. Ah mince, il est mort. Oui. Je j'ai pas vu. Bon. On va dire que c'est les pics sur les côtés. Il faut que je prenne tout. On est en train de chisse le niveau. T'inquiète. C'est peut-être bien le seul niveau où jouer à deux. Ça sert à quelque chose. J'allais dire t'inquiète. De toute façon, vu qu'il faut. Vu qu'on sait pas trop ce qu'on est censé faire. Lui là. Non mais j'en ai marre, en fait c'est pas que Rambi, hein. Je me retourne, mais je fais pas exprès. Hein. Et le pire c'est qu'après quand il a fini, quand je me relève, il se remet dans le sens où je pointe. En fait mon stick il est mal calibré. Bah ouf, pourquoi il y a un chemin du bas et un chemin du haut là. Je sais pas mais c'est suspect ces bananes. Allez. T'inquiète, on est bon là. Ah là, il y a des bananes, est-ce qu'il faudrait que je les prenne? Une raison qui m'échappe. N'oublie pas qu'on a le L et R hein, si jamais tu veux. Vraiment. Oh, il s'en sort, il s'en sort, il s'en sort, il s'en sort. Ah, il s'en sort. Je crois qu'il te manque une pièce. Hein. Oui. Allez, hop, voilà. Ah, il s'en sort le Donkey Kong. Allez là. Ok. Nice. Bon, ça va, niveau pièce de puzzle, le jeu il est quand même plutôt sympa. C'est marrant ça. Pourquoi on dirait qu'on peut descendre? C'est fini? Ok. Bon, on a bien fromagé. Ah bah là, non, mais avec Cranky, on avait le fromage il était délicieux. Ah, le fromage il était bon là. Là, on a dégusté. J'avoue, pourquoi il y avait un truc en bas? Il y avait un truc en bas. C'est pas grave. Il y avait une sortie secrète. Dans le niveau. C'était pour le niveau Kong 2. Waouh! Bravo Cranky! Vous avez obtenu une relique mystérieuse. Ok, bah. C'est salut, hein, Cranky. Ouais, je vais prendre Didi là. Ah ouais, c'est vrai, on a dit Didi. Bah, Didi quand même, pour. Hop, il arrive pour le boss final en mode j'ai rien fait de l'aventure, mais pour récupérer le gâteau, je suis là. Bravo Cranky, aura pu briller. Bah là c'est le mode de joueur qui a pu briller. Ah bah, bah non mais après toutes les buffs que le jeu nous a donné, on mérite bien un petit peu. Bon c'est compliqué hein, d'aller dans le niveau final, hein, si on prend. On aurait-tu pas envie de battre le fantoche fulminant? Ah, c'est ça le boss final. C'est lui qui faisait... Didi c'est un vrai gamer gourmand. Ah bah clairement oui, regardez, hop, il est là. Avec son jetpack qui ne sert à rien par rapport aux cheveux de Dixie, mais...
Alors bon, quand même, Didi, bon, je veux bien croire que t'as un peu la flemme, mais pas à ce point non plus. Bon alors, en quoi notre cher boss final est-il charmant aujourd'hui? Porte-t-il une belle cravate, un nœud papillon, une belle barbe, ou bien... Un casque à cornes. Un casque à cornes. Je crois qu'il a la barbe aussi. Et peut-être même qu'il a le nœud papillon. Non. Oh, encore mieux. Eh bien, il n'a pas une barbe, mais une moustache. Ah oui. Quoi? Ah, il est très très grand. On va prendre chacun un petit bonhomme. Attention quand il va sauter sur une plateforme. Ouais, parce qu'il va, il est plus sur toi là, il semblerait. Faut le jeter maintenant? Je sais pas trop ce qu'il fait. On dirait qu'il attend. C'est parce qu'on a un bonhomme, attends, je vais... Ah! Mais d'accord, en fait... Ah d'accord, on peut le... Bon, je me disais, à mon avis, on peut les jeter derrière vu qu'il fait rien. Il est gentil de nous donner des trucs pour l'attaquer. Oh ouais, bien joué. Attention, il arrive. Oh! Oh! Attends, j'étais... Oui, comme il a sauté, il a fait... Ah non, c'est fait mince. Attends, mais mince. Ah, je suis mort, ok, d'accord. On a vite, tu vois, il doit manger le même gâteau que Bowser. C'est pour ça qu'il devient grand, tu sais. Il doit avoir un truc. Allez, vas-y. Vas-y, Didi. Quel talent. Vas-y, on fait des blagues. Ah ouais, c'est des... Ah non, d'accord, j'ai encore atterri trop tôt. Bon, là, je suis censé atterrir sur sa tête. Enfin, pas sur sa tête, sur son dos. Non? Attends, je comprends pas, là. Il faut juste sauter super tôt. Promis, je te sauve la vie dès que possible. Ah, mais j'essaie de lui sauter dessus, tu vois. Oui, j'ai bien compris, mais moi, j'ai sauté dessus. J'ai dû rater, j'imagine, encore. Tenter d'en jeter un direct. Bon. Alors, attends. Ah bah voilà. Mince, désolé. Je croyais que c'est moi qui avais perdu de la vie. Trop dur à atterrir sur le petit bonhomme. Ah non, peu importe, nous quand on les... Ah, il est pas content. Ça a pas l'air bon, ça. On sent toutes les plateformes en glace. Ah mince, mais elle était déjà glacée. Du coup, je pensais pas qu'il allait en avoir une autre. Allez hop! On lui a mis les trois, on lui a mis les trois. Je me prends les cornes. Ah, c'est ça. Ça sert à rien.
Ah bah du coup, plus de glace. Du coup, il va refaire les flèches de glace. Mais oui, oui, il les refait, oui, oui. Même sur des trucs qu'il a déjà fait. Oui, je l'ai appris à mes dépens. Tant que tu fais pas comme moi et que tu meurs, passe à lui. Quoi ? Il a tout esquivé. Moi, si t'as faim, je te donne des cacahuètes. Oh merci, c'est gentil. Ah d'accord, bon ok. Ah, il y en a plus. On va attendre. Ah, bon. Oh, il a fait aucun effort là, genre. Lui aussi, il a la flemme. Il est pas content, Grougrou là. Ah, Grougrou est pas content. Double kill. Ah, bien joué. Ah, bah il est déjà pas content. Ah, c'est... ah il sait pas. Il sait ah, pas. Ah, ah, Didi Donkey. Ah, je sais pas lequel j'aime le moins en fait. Malheureusement, le coup du casque c'est fatal. Ah, c'est pas grave, on fait des cacahuètes grillées. Ah oh ouais, trop bien. Cacahuètes grillées avec du chocolat. Putain, elle est pas enrobée. Ouais, voilà. En fond de tarte. En fond de tarte. Ça va, c'est sympa. Avec du caramel. Et des bananes, bien sûr. Ah bah. Que si on en suit le Lord de Donkey Kong... Ils sont les Donkey Kong, enfin les Kong sont très friands de noix de coco, cacahuètes, bon là j'ai tout fait dessus. Tout est de ma faute. Il n'est pas content. Alors là, c'était le dernier qu'il fallait prendre. Bah, je crois qu'il fallait prendre le dernier. Et... ouais. Et quand il tombe. Alors là. Ouais. Ça drôle. Alors regardez, j'ai fait du corps qui fait apparaître des boules de neige, c'est incroyable. Oh, il va plus vite. Oh mince. Désolé. Ah, pas de soucis. Bon, là, il va plus vite, attention. Déjà ? Ouais, là, il va plus vite. Oh, bien joué. Ah non, c'était... attends, mais c'est... ah, c'est pour moi. Ouais, c'est pour toi. Ah, il refait ça. Ah mince, elle tombe pas pareil. Ah bah oui, tu veux te moquer, là. Truc là, bye. Oh, stylé. Moi je me suis pris pour toi. Du coup j'étais en train de me dire ouais ok je saute. Ah oh, bah oui bah d'accord ok ouais, ouais j'étais pas prêt là. Ah bah et puis s'en va du coup voilà, c'est bon. Oh, mais je vous ai laissé assez de chance là quand même hein. Il a volé la technique de Biolizard là j'ai vu avec les dragons là. La technique de Biolizard c'est soit en haut soit en bas. Ah! Soit tu dois appuyer sur le bouton Somersault, soit tu dois appuyer sur ce. Bon, malheureusement, il a pas la super technique. Mince, il a pas la super technique. T'es souhait. Il a pas la super technique. Tu sautes derrière avec la queue. Et. Ah oui, là, attention, il va faire attaque. Oh! Je l'ai pas touché. Vraiment? T'as gagné, bien joué. Ah bon?
Bravo. Je m'attendais pas à ce que ça soit fini en fait, là, je t'avoue. Je l'avoue, moi aussi. Non, mais les fins sont tellement brutales de boss que tu t'y attends jamais en fait. Il manque une cinématique de fin, tu vois. Eh non, mais à chaque fois. Ça fait un fondu et ça te balance dans le tonneau. À chaque fois, t'es en mode. Ah bon, quoi? Moi je pensais que j'étais mort là, tu vois. Je me suis dit, ah mince, je me suis pris un coup là, c'est bon. Ah, du coup, c'est toi qui contrôle la saison avec le corps. Ah oui, d'accord, donc Kekong. Ah oui, d'accord, et, ah, bah, il fait du surf. Des fleurs. Des bananes. Ah, des fleurs de bananes. Donc Kekong pensait que c'était des bananes, je pense. L'oracle des saisons, bah ouais, c'est Donkey Kong. Bon, les autres niveaux, s'ils ont été attaqués, on s'en fiche, nous on sauve que notre île. Ah bah oui, c'est bon. Ah, du coup, il a un nouvel instrument incroyable. C'était quoi l'instrument de Donkey Kong à la base? Un saxophone en forme de banane. Je le sais. Attends, parce que Donkey Diddy, c'était la guitare. Et Donkey, c'était quoi déjà? Quoi déjà? Bah, vu la musique, je vous dis qu'il a pas changé. Je vais la tromper peut-être. Ouais. Bah, je ne sais plus. Et bien voilà, donc Kong Tropical Freeze. C'était les bongos, bah oui, c'était les bongos, bah oui, c'était juste les bongos. En fait, il y a Diddy qui lui a volé ses bongos en fait. Ah. Mais bon, maintenant Donkey fait du corps. Voilà. Bref. Et bien voilà. C'était Nous terminons ce jeu mort de chaud. Ouais. Mais heureusement, le show est revenu. Mais pas mort de rire. Alors, est-ce que tu avais un monde que tu as adoré? Adoré? Attends. En vrai, les environnements, ils sont jolis. Hein. De manière générale, c'était cool. Sur le niveau, vraiment, je pense que le seul monde que j'ai vraiment pas aimé, je pense que c'est le monde de la plage. Mais je comprends pas, t'aimes pas les labyrinthes d'eau, on tourne en rond et tout, je comprends pas. Ouais, je sais pas. Bon, après, c'était peut-être. Ouais, je sais pas, ça a peut-être duré un peu trop, je sais pas. Mais non, ça va. Bah, au niveau monde. Non, franchement, c'est joli, hein. C'est très joli, les environnements sont très très cool. Ça va, des idées sympathiques. J'espère que Donkey va réussir à invoquer des dragons bananes avec son nouveau corps. Ah, ben là, clairement. C'est vrai, il faut voir ça maintenant. Le froid sera évacué à Unis. Ah oui, je vois, ils vont changer d'endroit pour mettre de la glace. Ouais. Entre les montagnes et le monde de l'ours pour mes préférés. Bon, j'avoue que moi, j'ai pas... Bah, tu vois, j'avoue qu'il n'y a pas un monde qui m'a plus parlé que les autres, même si, franchement, les petits niveaux... En fait, j'avoue, les petits niveaux dans la... Dans le truc automnal, c'est sympa, quoi. Mais j'aime bien, tu vois, les couleurs automnales, donc automatiquement. Moi j'ai bien aimé le niveau avec les explosions partout. Les explosions partout. On l'a fait aujourd'hui. Il y avait des détonateurs, on saute partout. Ah oui, ok. Ça fait. Okay. Ouais, donc c'était sympa. Bon, alors en tout cas, en conclusion conclusive, je vous dirais, ne jouez pas à Donkey Kong Tropical Freeze à 2, donc... Mais si, tu sais pas, peut-être que le mode Funky Kong, il règle tous les problèmes. Ah, je suis pas sûr qu'il règle les problèmes. Je pense que Regarde-le, là, il a l'air bien, Funky. Moi, je suis sûr, il règle tous les problèmes. Ah, je suis pas sûr que tu vois le fait que Funky soit là ou pas, ça change le fait que les plateformes, elles se cassent si jamais tu marches dessus, tu vois. Non, mais de toute façon, ça, c'est le problème des jeux multi, souvent. C'est assez dur, jeu multi qui marche bien ensemble. En fait, le fait est que Donkey Kong se veut être un jeu un peu... compliqué parce que dépêche-toi, les plateformes tombent. Sauf que bah, du coup, ça marche pas à deux, en fait. Ouais, c'est ça. Bah, généralement, c'est ça, souvent ça, le problème. Vous préférez quel boss? Ah ouais, non, mais là, bon, après, moi, je vais revenir sur ma position, mais j'aime toujours pas les boss des jeux de plateforme, hein, donc j'en ai beaucoup. Non, mais dis pas que c'est les jeux de plateforme. Dis juste que t'as pas aimé les boss de ce jeu. Laisse les jeux de plateforme tranquille, d'accord, pardon. Non, mais j'avoue que bah, les boss, ils sont sympas, hein, d'un point de vue design et tout, mais...
c'est encore attente, hein. C'est encore de l'attente, tout le temps de l'attente. Au contraire, si vous avez envie de compliquer le jeu, jouez avec vos amis. Après, les premiers mondes, vu qu'ils sont plus simples, les premiers mondes, ça va. Mais en fait, tu vois, c'est parce qu'en général, quand tu joues un jeu avec des amis, tu commences tu fais que les premiers niveaux. Du coup, voilà, mais c'est vrai que bon, bah finalement, il y a beaucoup de niveaux à la fin, bah il y en a un, il finit sur le dos de l'autre. Du coup voilà. Moi j'ai beaucoup aimé les passages avec Cranky Kong, c'était toujours rigolo. Ah bah oui, non mais toujours un plaisir Cranky Kong. Il arrive, il enlève 50 vies dans notre compteur et il repart comme si de rien n'était. C'était très drôle. Ah là là, merci Cranky. Nous avons gagné un cadeau parce qu'on a fait toute notre collection de petits livres illustrés. Vous avez obtenu une relique mystérieuse, vous avez réuni toutes les reliques mystérieuses. Et oui, on fait le 100%. Oui, du coup, on a fait le 100%. À moins d'être hyper synchro, mais ce n'est pas normal de devoir être hyper synchro. Eh, vers la fin, je trouve que il y avait des moments où on communiquait même plus et on jouait en même temps et ça marchait bien. Ouais, ça va. C'était bon, on était en mode, bon, bah, j'espère qu'il va sauter parce que moi, je le fais. Ouais, bon, même dans les bêtises, surtout, du coup, hein, on les faisait en même temps. Y a pas de soucis. Alors... Ah, on a fait 95% du jeu, mais c'est quoi ce travail, là? Attends...